Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai commencé un jeûne. Je voulais en fait en parler. J'ai fait plusieurs vidéos. La playlist de tous mes jeûnes, je vous la mettrai juste ici, si je ne me trompe pas, de côté. J'ai fait plein de jeûnes différents. Et là, aujourd'hui, j'aimerais en fait vous en faire profiter en échangeant avec vous sur cela, donc avec vous dans les commentaires. Puisque là, on est en confinement en ce moment, je sais pas, bon, quand je vais poster cette vidéo, on le sera certainement encore. Je trouve que c'est vraiment le moment, le bon moment pour s'y mettre, pour des gens qui n'ont jamais essayé le jeûne, et pour même d'autres personnes qui ont déjà en fait pratiqué ça. Tout simplement parce que on a l'occasion d'être chez soi, donc pouvoir s'observer, pouvoir peut-être se reposer, pouvoir être à l'écoute en fait de son corps. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parfois de commencer le jeûne quand on travaille au bureau ou peu importe où est-ce qu'on travaille. Si on a un travail par exemple très physique, ça peut ne pas être évident. On peut ne pas vouloir se lancer, faire le pas de se dire « allez, je commence aujourd'hui ». Et pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous dire que jeûner, ce n'est pas un concours avec quelqu'un d'autre, c'est avec soi-même en fait, tout simplement. Jeûner, c'est juste pour notre santé, notre bien-être, faire attention à ne pas justement dépenser toute notre énergie dans la digestion, puisque notre corps utilise cette énergie quand on mange de façon vraiment au niveau pourcentage de notre énergie. C'est une énorme énergie en fait, un énorme pourcentage d'énergie pour digérer. Et c'est vrai que quand on met un petit peu au repos tout ça, ça fait du bien au corps. Donc c'est surtout pour notre santé qu'on jeûne. Parce que en fait, ce qui est normal, c'est de jeûner. Ce qui n'est pas normal, c'est de manger non-stop. Voilà. Donc aujourd'hui en confinement, je vous propose ceci. J'ai lancé sur Instagram le hashtag On jeûne tous ensemble. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, allez me suivre. Comme ça, vous avez les infos un peu plus en direct. Et comme ça, vous pouvez également, si vous avez Instagram ou Facebook, utiliser en fait ce hashtag pour surtout qu'on puisse se soutenir tous ensemble dans ce jeûne là, peu importe qu'il soit très court, très long. En fait, c'est à vous de voir en fonction de votre capacité, en fonction de votre corps, en fonction du moment sur lequel vous le faites. Si c'est votre première fois, si ça fait des années que vous le pratiquez comme moi, ça dépend. Mais il n'y a pas en tout cas de mauvais jeûneur entre guillemets, c'est-à-dire que c'est très très bien de jeûner, même si vous décidez de juste sauter le petit déjeuner par exemple et de manger un petit peu plus tard, de retarder le petit déjeuner par exemple. Si vous le prenez habituellement à 8h du matin, si vous prenez à 10h, ça fait toujours 2 heures de plus de jeûne en fait, suivi de votre nuit, voilà. Donc en fait, il n'y a pas de mauvais jeûneur, juste de se dire qu'on avance, en fait, qu'on recule, pardon, la période où on va manger, tout simplement. Donc effectivement, ça peut juste être une nuit plus une demi-journée, ça peut être une nuit plus une journée, ça peut être une nuit plus une journée et une nuit. Enfin, en fait, il n'y a pas de règle. La règle, c'est seulement vous qui vous l'imposez et qui, surtout, n'allez pas dans des projections de jeûne sans écouter votre corps. C'est-à-dire que vous pouvez projeter, par exemple moi j'ai projeté quelque chose, j'ai envie peut-être de faire une semaine de jeûne, mais en fait à l'écoute de mon corps. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé le jeûne, il se trouve que je m'étais dit que j'allais faire une semaine de jeûne avec un jus le soir, donc c'est-à-dire qu'en gros je ne jeûnais pas toute la journée, je prenais mon petit verre de jus et le lendemain je rejeûnais jusqu'au soir, donc un jeûne intermittent, mais j'avais envie de faire ça. Et puis il se trouve que j'appelle une de mes sœurs qui me dit qu'elle avait commencé un jeûne sec, donc c'est-à-dire on ne boit pas, on ne mange pas, donc les deux, et en fait, je sais pas pourquoi, le soir je me suis dit j'en ai pas forcément besoin de ce jus, donc je n'ai pas bu de jus. Puisque j'ai commencé le jeûne hier, je suis dans ma deuxième journée, donc là il doit être 17h à peu près. Et
En fait, ça m'a vachement motivée et elle m'a dit en plus qu'une autre de mes sœurs était en train de jeûner et que son conjoint également. Ce qui fait qu'en fait, on était quatre personnes en même temps qui jeûnaient et je me suis dit, mais pourquoi pas lancer ce hashtag on jeûne tous ensemble, parce qu'en fait, je trouve que ça a quelque chose de motivant de se dire qu'il n'y a pas que toi qui est en train de jeûner, même si on le sait peut-être consciemment, de se dire oui, il y en a peut-être d'autres. Mais le fait d'en parler et de se le dire et de savoir qui est en train de jeûner en même temps, je trouve ça hyper chouette. Donc j'avais envie de vous lancer ça, j'avais envie de vous lancer ce défi en même temps, d'essayer de, pour des personnes qui n'ont jamais jeûné, d'essayer en cette période de confinement où on peut justement se mettre en fait face à quelque chose qui peut-être nous faisait peur avant. Voilà, je trouve ça beaucoup plus simple. Alors moi je suis dehors parce que j'ai la chance d'avoir un jardin, un potager, voilà, je vous fais pas la vidéo à la maison, mais pour tous ceux qui sont en appartement, eh bien vous pouvez également le faire. Alors il est vrai que quand on peut avoir la possibilité juste de se promener un peu dehors, surtout avec le soleil, quand on jeûne, ben forcément ça fait beaucoup de bien. Et de deux, si vous n'avez pas de dehors et que vous pouvez pas marcher ailleurs que chez vous, marchez quand même. Juste précision, le cœur c'est une pompe et donc ça peut relancer le sang tourne en fait tout le temps grâce à cette pompe. Par contre, la lymphe n'a pas de pompe comme le cœur et en fait le seul pouvoir de faire circuler notre lymphe, eh bien donc ça va être tous les déchets en fait de notre corps. Pour qu'il puisse s'évacuer lors d'un jeûne, justement, bah c'est le fait d'être en mouvement. Donc, si vous avez envie de faire une sieste, ne vous en privez pas. Je ne vous dis pas, en fait, juste de marcher toute la journée. Je dis juste que c'est important, en tout cas, d'essayer d'être un petit peu en mouvement, juste en marchant, en faisant quelques petits exercices ou en faisant, je sais pas moi, un truc tout bête, en faisant votre linge, en faisant la cuisine, voilà, quelque chose qui peut vous mettre en mouvement, ce qui permettra de, voilà, de se faire circuler la lymphe. Et donc d'éliminer en fait vos déchets à travers tous les émonctoires, que ce soit la peau, que ce soit les intestins, que ce soit le foie, que ce soit les reins, que ce soit, bon, peu importe en fait, c'est vraiment top. Adaptez donc ce jeûne-là, que ce soit en jeûne sec, que ce soit en jeûne intermittent, que ce soit en jeûne hydrique, donc à l'eau, que ce soit en jeûne aussi au jus ou aux tisanes. C'est vous de voir la difficulté, entre guillemets, hein, c'est comme je vous dis, c'est pas du tout un concours, la difficulté sur lequel vous vous sentez le mieux en fait. Et le but étant pas que ce soit non plus une partie juste hyper évidente pour vous, si c'est facile, peut-être vous pouvez accentuer peut-être quelque chose, c'est-à-dire que si par exemple vous faites un jeûne au jus et que vous trouvez ça genre hyper facile, ben, ce que vous pouvez faire, vous pouvez boire au lieu des jus toute la journée, vous pouvez en boire juste un au midi, un le soir, ou alors si c'est encore trop facile, vous pouvez en boire un le soir. Enfin voilà, adapté à votre corps en fait, tout simplement à votre habitude de vie, et plus vous en faites de toute façon, plus vous allez adapter et vous saurez en fait qu'est-ce qui est bon pour vous, ça c'est sûr. Aujourd'hui, où j'en suis, donc voilà, comme je vous disais, je suis dans ma deuxième journée. Pour le moment, j'ai ni bu ni mangé. Il se trouve que ça me convient là maintenant tout de suite. Peut-être que ce soir, je vais boire un jus. Et si j'en bois pas, peut-être que demain je vais en boire un. En tout cas, je vous tiendrai au courant dans cette vidéo. Je sais que là, du coup, je fais une intro genre hyper longue, mais je voulais un petit peu poser, mettre les bases en fait, vous mettre un petit peu au défi avec moi qu'on le fasse ensemble. Et il se trouve que même si là vous voyez ma vidéo pas forcément le jour où je la poste, vous pouvez toujours m'envoyer des messages de me dire que là vous êtes en train de jeûner, vous faire des petites vidéos, soit des photos, soit des choses, que ce soit sur YouTube, soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, peu importe. Moi c'est les réseaux sur lesquels je suis le plus active, mais qu'on puisse se soutenir, parce que même si par exemple au moment donné où vous commencez un jeûne, par exemple vous me dites un jour, eh bien ça me lancera peut-être de nouveau dans un nouveau jeûne auquel je vous accompagnerai. Donc c'est pas parce que vous commencez pas aujourd'hui lorsque moi je commence, je commence ma deuxième journée, voilà, eh bien c'est pas grave, n'hésitez pas à le faire, à mettre ce hashtag quand même, et peut-être que ça me permettra également de me lancer et de me motiver tout simplement, parce que jeûner ça reste quelque chose, c'est un
effort à faire, c'est un stress pour le corps qui peut être positif si on écoute son corps et si on est dans la capacité adaptative de son corps, de pas aller trop loin, mais juste de s'écouter. Et à ce moment-là, ça reste quelque chose de bénéfique pour notre santé, mais quelque chose qui peut être quand même pas facile, parce que bah, forcément, on a toujours cette envie de manger. C'est beaucoup plus facile de manger toute la journée, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus facile, mais par contre, après, on va dire que notre corps n'est jamais au repos digestif et malheureusement, c'est important qu'il le soit de temps en temps. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on fait un jeûne sec comme là, ce que je fais, eh bien, ça met également au repos les reins, donc ça met au repos l'ensemble du corps. Et donc, bah, lui, il s'occupe de ce qu'il faut s'occuper, en fait. Lui, il a pas besoin de vous et de votre accord à partir du moment que vous faites ce choix-là de jeûner. Et même sans jeûne, il va toujours vers la vie, votre corps. Mais quand vous jeûnez, bah, effectivement, il va encore de plus en plus vers la vie, essayer de vous aider dans ce qui est compliqué. Même si c'est pas forcément la chose, par exemple, imaginons moi là en ce moment, j'ai de nouveau, mais alors vraiment moindre comparé aux autres années, mais j'ai encore un petit peu de signes allergiques au pollen, voilà. Et je me suis pas encore refait piquer par une abeille parce que j'avais également une allergie au venin d'abeille, mais il se trouve que voilà, j'ai encore un petit peu de symptômes, donc on peut dire encore que je suis allergique, même si l'année dernière j'en avais plus au bout d'un moment. Notre hygiène de vie, elle doit être constante et on va dire, c'est pas constante, c'est pas sur la même lignée, mais je veux dire, elle doit être en évolution tout le temps, mais tout le temps à l'écoute de son corps et ce qui est le mieux pour nous. Et donc bah, parfois quand on va pas vers la vie, mais qu'on va plutôt vers la mort, dans le sens où on essaye de ne pas faire quelque chose qui est bon et bénéfique pour nous, mais qui va être mauvais. Et je parle pas que dans l'alimentation, je parle également au niveau stress, au niveau de notre mindset, au niveau de notre cerveau, vraiment de s'auto parfois flageoler, de se faire du mal en fait, tout simplement. Et c'est pas toujours évident d'aller de ce côté-là pour se faire du bien, parce que ben, c'est beaucoup moins factuel, beaucoup moins réel, on a l'impression, en tout cas c'est mon avis, de parfois d'avancer dans tout ce qui va être développement personnel, on peut appeler ça comme ça, au lieu de juste de se dire tiens, je mange pas ça dans mon assiette, je le retire et en fait il y est plus. Parfois c'est plus facile en fait, parce que ben, c'est vraiment un fait réel, je l'enlève, il y est plus dans mon assiette, je ne le mange pas. Alors que dans sa tête, parfois, on aimerait bien dire ça, cette situation, je l'enlève, je l'aime pas. Le problème, c'est que c'est pas factuel, c'est pas réel. En tout cas, c'est réel si, mais on n'arrive pas forcément à la même manière aussi facilement. Mais il y a plein d'outils aujourd'hui pour s'aider. Et donc, n'hésitez pas à aller voir, par exemple, Chloé Bloom, que j'aime beaucoup, sur plein de podcasts qu'elle fait. Je trouve que c'est assez intéressant et je pense que ça peut donner plein d'outils à plein de gens. Donc, n'hésitez pas non plus à compléter tout ce qui va être alimentation, mais aussi avec votre cerveau, alignement avec vous, votre bien-être holistique. Voilà, vraiment. Je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va durer 1 heure. Parce que je suis capable de parler pendant 1 heure, il n'y a pas de problème avec moi. Mais voilà, je vous tiens au courant sur la longueur de mon jeûne. Je compte sur vous pour le petit hashtag et de m'en faire part si vous aussi vous décidez de commencer un jeûne. Et c'est pas parce que par exemple vous me regardez cet après-midi que vous pouvez pas vous dire à partir de maintenant tout de suite vous arrêtez de manger et du coup ce soir vous mangez pas. Vous pouvez très bien commencer un jeûne peu importe le moment de la journée, vous n'êtes pas obligé de commencer un jeûne à partir du moment où vous mangez le soir et vous arrêtez de manger, donc le matin vous mangez pas. C'est pas forcément comme ça, vous pouvez le faire n'importe quand, de vous dire je me mets au repos. Donc il n'y a pas de moment propice, c'est le moment propice, c'est celui que vous décidez et celui avec lequel vous avez le courage de vous dire c'est maintenant, je commence, je suis prêt, même si c'est que pour une après-midi, eh bien ce sera super déjà. Voilà, ben, je vous encourage à le faire et eh bien moi de mon côté, je vous tiens au courant sur le déroulé de ce nouveau jeûne en confinement, mais avec le soleil et mon jardin, avec grand plaisir. Ça me fait tellement plaisir d'avoir un jardin. Toute l'année, c'est super, mais du coup, en confinement encore plus.